Je sais que je demande l'impossible, mais à notre époque, comme à toutes les autres, l'impossible est le moins que l'on puisse exiger. Nous sommes après tout encouragés à le faire en considérant l'histoire de l'humanité en général et celle du noir américain en particulier, car elle témoigne de rien moins que de la réalisation perpétuelle de l'impossible. Je vous remercie. La journée, cher ami Thérault, de cette présentation donne tout à fait une grande chance à la grande fierté que nous partageons de pouvoir ensemble pouvoir donner le nom des États-Unis à cette médiathèque de l'Armée du Front pour laquelle nous sommes ensemble tellement en tâche. À la fois les différentes lectures et les rappels sont utilisés par les vies qui nous ont tous et tous donné envie de relire sans trop tarder à l'œuvre de Jeanne Lune. Et au-delà, permettez-moi d'indiquer que la figure de cet homme de culture, de ce militant, de l'égalité à l'accès à la culture, de la lutte contre le racisme, contre l'homophobie, contre les violences policières, sa figure, ses défis et ses combats ont évidemment beaucoup de sens sur ce territoire du Nord-Est parisien et pour y donner son identité à cette médiathèque, puisque ces combats font écho, nous le savons bien, à notre presse. Jeanne est d'ailleurs déjà présent dans la rencontre, puisque nous avons accompagné, inauguré, il n'y a pas si longtemps, un mur de la paix, réalisé dans le cours du collège Michelet, avec une question pour un certain nombre d'entre nous, un mur de la paix pour entourage, à quelques figures emblématiques de ces combats de par le monde, des femmes, des hommes, et parmi elles, Jeanne Valdine, qui est déjà une figure familière de cet arrondissement, et que les collégiens de l'arrondissement, avec Sylvie Laporte, que je me permets de saluer au passage, ont tenu à honorer dans le cadre d'un projet porté par le budget participatif et réalisé par les collégiens Michelet en 2019. Nous sommes donc très fiers de rendre hommage et d'inscrire dans le patrimoine parisien et dans l'avenir de cette ville le nom et le combat de Jeanne Valdine, puisque, pour le coup, j'ai une petite citation à vous faire partager, vous permettrez de rendre hommage à l'humanisme, il est fait aussi et donne là aussi une force supplémentaire à cette ville. Chacun de nous, inéluctablement, il n'a jamais contient l'autre. Il y a de l'homme dans la femme, de la femme dans l'homme, du blanc dans le noir, du noir dans le blanc. Nous sommes une partie de chacun. Voilà, c'est aussi une façon de parler, puisque nous sommes enfants d'une cité, des valeurs, des engagements qui sont des nôtres. Et je suis convaincu que ce message-là, ces mots-là, font du grand écho auprès des futurs usagers de la future médiathèque de l'Inter-Armée.